la fête de Paquette, c'est une fête que me parlent mes parents, mes grands-parents qui ont connu tout ça. C'est un peu dans le coin, c'est historique comme fête votive. Paquette est une fête traditionnelle, mais en même temps une fête comme on en connaît dans tous nos villages, une fête de tradition, et nous sommes très attachés aux traditions, au point que nous menons le combat pour le maintien et le respect des traditions. Quelles sont tes impressions un petit peu avant la longue? Eh bien écoute, déjà il fait beau, il y a une belle journée, je vois qu'il y a du monde au déjeuner et je pense qu'on va se régaler. Comme chaque année à Domessargues, de toute manière c'est pas un scoop, hein. Chaque année à Domessargues ici c'est un village qui respecte les traditions, qui respecte les animaux, c'est très important et je crois qu'on va passer une bonne journée. Bon Mathieu, 300 ans de fête, qu'est-ce que ça te fait d'être venu depuis la première fête au Tive il y a 300 ans? Ben, j'ai pris le coup de vieux, mais bon, grâce au progrès de la médecine, je suis bien conservé pour les 300 ans de la fête. Domessargues, ça reste une date importante, c'est une belle fête. Cette année, d'autant plus, c'est les 300 ans, donc c'est une date importante pour le village. Toujours, c'est tradition depuis tout petit, on est là et on y est encore. Et c'est fort agréable de venir à Domessargues. Ouais, chaque année, en principe, il y a du monde à pied qui nous malmène, on va dire un peu. Ça fait quand même une paire d'années qu'on vient. On se régale toujours, on se fait bouger souvent. Bon, ce matin, ça s'est bien passé. Bon, le parcours est quand même un peu long. Les chevaux fatiguent, mais on y est arrivé. Les jeunes ont joué le jeu. Bon, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de méchanceté. On était contents d'arriver quand même.
Eh bien, on a commencé les paquettes le début de la saison, et bonne longue, ouais, c'était tranquille. Du bon charbon, du respect pour tout le monde. Ça a bien bien lancé le début de saison. On verra les week-ends prochains. Ah, c'était bien, on a passé des bons moments. On s'est régalé entre les chevaux et nous. Une bonne journée. Voilà, bon, ça fait un petit entraînement parce qu'à Domestar, c'était chaud un peu aussi. Mais bon, ben, ça fait du bien. Il ne faudrait pas faire ça tous les week-ends. Parce qu'on ne tiendrait pas le coup. Ni le foie, ni les chevaux, ni les taureaux. Dans un de paquettes, il paraît qu'à la première, tu y étais, il paraît. Et j'ai encore le tricot. Voilà, je l'ai gardé dans mon tiroir et ça y est, je l'ai sorti pour les 300 ans, pour fêter les 300 ans. Ah, et j'ai pas grossi. Hein. Mais Paquette, on fête cette année les 300 ans. 300 ans, c'est un événement. 300 ans, ça veut dire que historiquement, il faut retrouver les traces de l'origine de cette initiative qui n'avait absolument aucun lien avec ce qui existe aujourd'hui, qui est devenue une fête traditionnelle, une fête votive comme on en connaît partout. Donc Paquette est une fête comme toutes les autres, mais en même temps, Paquette est la première dans le calendrier. Paquette est donc une fête où se retrouvent très volontiers des milliers, je le dis bien des milliers, parce qu'hier soir, c'était des milliers de personnes qui étaient rassemblées sur cette piste. De bras cassés, on essaie de souffler dans un tube, des fois ça fait du son, mais il y en a qui vont arrêter. Et puis on fait la fête, c'est la vie en quelque sorte. Oui, bonjour. Oh, on est dans le Grand Prix de Domestargues, c'est chaud, on a doublé Grosjean et Vergne et Schumacher. Bon, c'est pas évident, mais bon, on va s'en sortir. Ah, c'est chaud, c'est trop chaud le Grand Prix. C'est bon. On est bientôt à l'arrivée, mais bon, on va gagner. Alors, je vais dire les chiffres exacts. Le bar fait exactement 34 mètres. Voilà. Depuis les années, disons 80, que je m'en occupe avec une bande de collègues, a énormément progressé. Disons, ce n'est pas une petite fête, c'est une grosse fête à Paquette. C'est de l'investissement en personnel. Et bon, malgré que nous sommes une bonne troupe, il en manque toujours.
Tu vois, ça fait 300 ans que je viens ici. J'étais à la première de Paquette. Et vraiment, ça n'a pas changé. Bon, à part les gens un peu, parce que bon, je suis un peu vieux maintenant, 300 ans, ça va. Mais bon, la première, entre la première et celle de maintenant, ça n'a pas changé. L'ambiance est toujours la même. Ça, tu vois, ça, c'est Paquette. Paquette, c'est la convivialité, c'est l'ambiance, c'est la musique. C'est tout le monde, c'est une famille à Paquette. C'est une famille, tout simplement.